sango réveil c'est Moussa là. Et c'est que ce qu'on a monté, il n'a pas faut soit ma boque on apporte. Oui. Réveil à l'homme là. Oh. Et bon les amabé. Il y a juste pour que Moussa le réveil à scène quand ça m'boka. Papa, tous les nani, tous les amours, tous les outils, il faut soit ma boque. Mais en place pour boire et éviter. Ce sont des choses qui a beaucoup visité. N'a pas ton nom là, nous qui a quoi, bah quand même nous qui a quoi. Bah pour moi les soucis parce que les réveils font un travail. Bando qui n'a pas été. Oui. Ce qui est vengé, c'est dans Mboka, on a honte, il y aura un grand réveil, il y aura un grand rébellion. Papa, il y a un geste mort, il y aura tant que confession. Mais dans ton cas, dans ton conscience, il existe des tels actes. Il y a un bon il existe des choses dans cette tête-là. Ça s'appelle l'iniquité générationnelle. Ah, oh, China père a battu mon bon. Ça va descendre de tes générations en génération. Il y a des vergers, il y a des vergers, des vergers. Ça va descendre. Il y a des quittas. 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 L'iniquité, c'est un péché générationnel. Un péché qu'on a commis, qu'on n'a pas encore avoué. L'iniquité, c'est un pardon. Mais l'iniquité, c'est encore avoué. Voir un homme de Dieu avouer ses péchés. Il y a un Bible qui dit, j'ai puni l'iniquité. Exode 37. Alors, j'ai puni l'iniquité de père, de fils, jusqu'à la troisième et à la quatrième génération. La journée, le long de l'iniquité, c'est la différence entre le péché et l'iniquité. Très bien, très bien. Le péché, c'est la transgression de la loi. Ce qui m'ont beaucoup mis beaucoup, vous avez au moins on a quatre dents. À dents au soumouka par rapport à la loi. Nous avons bien au liam mouvement OET. Lorsque montaké que liam mouvement a désobéi, le péché revient. C'est-à-dire, il n'y a pas de la loi, il y aura pas les péchés. S'il y a la loi, il y aura les péchés. Donc, si nous avons maintenant mis de côté, les péchés ne pouvaient pas être là. Le photo est barré, Katine domina Kalibanda. Et l'ogonio son assez à mon qui les a rafraîchis à hasard. Le fait que l'Ubanda est comme cause d'influence à Kat, et Kat est comme Mingi à Kopola, ils ont la facilité, les lots comprendre que sexualité et aussi séduction, ils ont la plus l'avantage et à la rapidité par rapport à la pudeur. Je sais que j'ai dit, je ne suis pas encore informé. C'est un reste à vérifier pourquoi Bayembi et pourquoi Bakenda a tenté au foyer Mana Moutou. C'est un peu ça ne concerne que lui. Bakenda, il faut la ligne de temps. Non, avant Mana Moutou, quand même, il faut pourquoi Nazoye Mana et c'est à Bakenda. Voilà, merci à tous et à toutes. Bienvenue chez nous, mesdames et messieurs. Bon début de semaine à tous et à toutes. Jérémy Louemba, les Renards du désert devant vous. Nous sommes dans la joie de recevoir pour vous un homme de Dieu, l'apôtre Ndanou. Il va essayer de parler sur les choses de l'esprit, mais également sur certains points d'actualité. L'homme de Dieu, bonjour. Bonjour, shalom Jérémy. Voilà, merci d'être là. Bonne santé. Très bien, le Seigneur nous prête vie, on est à merveille. Sinon, notre espoir à lui, la vie et l'abondance. Ça, c'est très bien. On va débuter par la prière, l'homme de Dieu. Dieu de grâce et de faveur, nous te demandons de nous assister. Ceux qui ont assisté, Bissoté Nzambe, tous dans ma coquille à Kouloubaté. Et toujours semble là que malobana biso ezala li pambolia mutazo kabiso ezala li pambolia mutazo landa biso na kombo na Yesu Christo to bonde le tolobi. Amen. Amen. Voilà, merci pour la prière, l'homme de Dieu. D'abord, bonne évolution ministère. Ça va, nzambaza na biso ensemble Jérémy. Nzambaza na biso ensemble. On a béni hier plus de 3 mariages à l'église. Le Seigneur nous assiste. Si. C'est ce qui est très bon pour nous parce que nous avons la promesse de la longévité et de la bénédiction. C'est vrai. Mais quand on a baptême en vacances, l'homme de Dieu, tout sentir moins, je dirais, moins crise, il y a ma campagne, des aïnakala. Soit allé bien, presque, basta des belés, comme il y a ma kermesse. Non, cette fois-ci, je vis ça va, j'ai vu des croisades. Cette fois-ci, ça va. Par rapport à l'année, tu si, cette année, je vis le réveil a encore repris.
Dans mon année, vraiment, ça va, il y a des croisades. Moi, contre les Zongis. Si, si. J'ai vu les croisades à la Fikine, j'ai vu les croisades au terrain GD de l'évêque général, j'ai vu le pasteur Dominique à la Fikine, j'ai vu, ça fait pas longtemps, ici, à Namonia, à la Triomphale. Ça va, j'ai aimé. Alors, esprit à séduction, le lozo mon jeune femme et belé, s'exposer, même dans les réseaux sociaux, même dans la vie, dans le peu normal, le lozo mon fille Mingi. Parce que là, tu es à moitié nu. Cet esprit de séduction, le temps que nous sommes arrivés, et que les convoitises, au fait, il y a eu le temps que mon salon est dans mon nez, papa. Le photo est barré, Katine domina Kalibanda. Et là, on a eu un sermon qui les a fruits à hasard. Le fait que Libanda est comme une influence à Kat, et Kat est comme Mingi à Kopola, ils ont la facilité, les autres comprendre que. Sexualité et aussi séduction, ils ont la plus à l'avantage et à la rapidité par rapport à la pudeur, à bonne mers. C'est très bien. Alors, mais maintenant, il faut faire quoi pour nous on a vu ça comprendre, vous s'exposer, et puis après, voir comment on peut pêcher. C'est ici que nous parlons sur l'homme du milieu. L'homme du milieu. Jésus-Christ de Nazareth, lui qui s'appelle Emmanuel. Il n'y a point d'autre chemin si ce n'est que Jésus-Christ. Il est le chemin, la vie et la vérité. La bonne nouvelle est à tous les domaines. Domaine de la spiritualité, domaine de bonnes mœurs, domaine de travail et tous les domaines de la vie. Jésus-Christ est le chemin. Alors, mon antibiotique, papa, quelles sont les révélations au Colapissio? Dans la journée, le long de l'unité, c'est la différence entre le péché et l'iniquité. Très bien, très bien. Le péché, c'est la transgression de la loi. Ce qui m'ont beaucoup mis beaucoup, vous avez au moins on a quatre Adam. Adam se soumuka par rapport à la loi. Nous avons bien au lien mouvement haute. Lorsque montaké au lien mouvement a désobéi, le péché revient. C'est-à-dire, il n'y a pas de la loi, il y aura pas les péchés. S'il y a la loi, il y aura les péchés. De son nous avons matin mis de côté, les péchés ne pouvaient pas être là. C'est ça ce que nous appelons le péché, la transgression de la loi. Donc toucher bah interdit. Les interdits. Quelque chose qu'on a défendu. Nagolo ba maman lobi le lo papa lobi beaucoup mal à 20 ans on en a coûté. Mon toit a dépassé plus de 20 ans, il a péché par rapport à la loi. Sur une loi exagérée, ils sont payés à la terre. Ah ok. Donc le péché, c'est la transgression de la loi. Qu'est-ce qui consiste pour le pardon du péché? C'est la confession. Faut yamoula. Faut yamoula. Ndeke Bible lobi na 1 Jean. Si tu confesses tes péchés, je suis juste et fidèle pour te pardonner. La repentance. La repentance. C'est-à-dire qu'il faut confesser pour les péchés. Mais il y a aussi une différence entre l'iniquité. L'iniquité, c'est un péché générationnel. Ah bon? Un péché qu'on a commis, qu'on n'a pas encore avoué. L'iniquité, c'est un pardon. Mais l'iniquité, c'est encore avoué. Voir un homme de Dieu avouer ses péchés. Il y a un Bible qui a dit, j'ai puni l'iniquité, l'Exode 37. Alors, j'ai puni l'iniquité de père, de fils, jusqu'à la troisième et à la quatrième génération. C'est-à-dire, conséquence, il y a unité et ça générationnelle. Donc, ma bé moko ba tata ba sala. Ma bé moko ba sala la kata vie. Et me met là un grand blocage parce que Dieu punit l'iniquité de génération en génération. Mais la compréhension sous l'homme de Dieu, on sous-entend que l'iniquité zali les soumou au sali sans koyeba. Ils ont abondé. Non, non. Par ignorance. Tout péché. Je prends un exemple. Un païen a commettre péché et on l'iniquité. Pour ayebi na itabon la motemate. Le péché descend de. Tu vois, un péché à sans ignorance, avant l'ignorance. Péché avant l'ignorance. Oui. Qu'au soumou kala sera condamné par rapport à la conscience. Il y a deux différences. Il y a le péché avant Christ et le péché après Christ. Le péché avant Christ, c'est par rapport à la loi. Par rapport à la loi, il y a en Bible, Dieu s'est tenu compte des temps de l'ignorance. Nous avons contracté l'ignorance, mais il connaît par rapport à la conscience. Tant que j'ai baptême, tu reconnais maintenant le péché. Ah, ok. Mais le plus grand problème, c'est le problème de l'iniquité. Au qu'on remarque que l'iniquité de père est en train de descendre de la génération en génération. Papa n'a bino sala makambu moko na kata vie. C'est ce qu'on appelle l'iniquité. Nazan papa mon na bonne na famille, papa mon bota na mwana na ye.
Cette iniquité n'a pas été confessée. Et qui est générationnel. Et qui est en bana. Acte à bon et au salamaka. Et au moins, il y a un mot qui dit, ah papa, la bise pas salamakambo. Oh yo. Pourquoi salamakambo est l'andi? C'est ça qu'on appelle l'iniquité. Ça punit les premières, les deuxièmes, les troisièmes, les quatrièmes générations. Père, ça va occultiste, ça va sacrifice mourou. Les bana et basse nion se trouvent, c'est pas beau, étoile. Bana mi belle, c'est aussi ma diplôme, mais ne vivant pas. C'est à cause de l'iniquité. Ils ont constitué un problème de quoi avouer, de rencontrer un homme de Dieu, tu avoues. Qu'est-ce qui ne marche pas dans ta vie? Et là, on est bloqué à vie, non? Ça peut être l'iniquité de tes pères. Et bon, on s'en est bien noté, papa. Papa, dans mon âme, on va vivre l'iniquité qui a l'ongo les aimés, dans l'ongo les libères, dans l'ongo les il n'a pas pris le temps de confesser. Il n'a pas pris le temps d'avouer. Toute conséquence sur la terre est dit dans un acte qu'on n'a pas encore bien réglé. Tu as besoin de la chance. Tu as besoin de la réalité très prophétique. Mais à un moment donné, vous allez vivre dans Joseph. Joseph a besoin de la chance. Mais à qui pas Potiphar? Potiphar a besoin de la chance. Il a besoin de la chance. Et ce péché-là pouvait amener une arrestation d'une grande toile. Tu as besoin de la chance à cause de l'iniquité. Je suis venu à la maison de maman, maman, Azalaki, Babenga, Bamba, Kintudi. Azalaki, moi, je suis venu à la maison de 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 mwana maison de la 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 maison n'oubliez pas, il y a aussi l'iniquité qu'on n'a pas avoué. Qui influence notre destinée. Donc, aujourd'hui, vivre dans l'hypocrisie. Ça va détruire parce que Dieu résiste contre l'iniquité. Dieu pardonne le péché. Mais l'iniquité, ça demande on avoue. Et puis, ce qu'on avoue au tiki. Il faut un travail. Il faut un travail. Il y a encore remarqué l'iniquité. Il y a encore un agneau. Bâtir le bon, qu'on va confesser sur ça. Dieu résiste contre l'iniquité de la science, donc même dans un moment où nous avons été les malécites. Et pour nous, c'est qui contre Israël. À cause de cette iniquité, je punirai toutes les chansons. Nous avons à cause de l'iniquité, à l'ongo la batoum sous ma tribu, l'ongo la baï, nous avons l'ongo la bonne amoukibi. Le comble de l'iniquité amène la destruction. Tomoni na mboka. Na mboka. C'est lorsqu'il y a l'iniquité dans les pays. La terre du pays va vous avouer. Ma belle amour est sans divino. Et livrez-nous contre les ennemis. Les Timbogo Congo. Et livrez-nous dans les ennemis. C'est à cause de l'iniquité. Nos pères. Papa, tu sois chef de la Tambogo Bakunami Tobantaba. Trop de cérémonies, Salama. Tout le monde a foulé la Tambogo. Oh, foulé ça et l'autre côté, mais ça là-bas solo. Tu sois la révélation qu'ils aiment tout à battre. Congo, la zone du Manioso. Comment la trahison dans l'Est, il y a trois grands esprits qui ont contrôlé l'Est. Nous avons vu l'Angola, l'Ouganda et le Rwanda. Oh, Est est là. Oui. Et on a des esprits contrôlant l'Angola. Ce sont des esprits de trahisseurs. Parce que le pays a été livré. Et vous devez comprendre les femmes étrangères amènent aussi l'iniquité. Les femmes étrangères amènent aussi l'iniquité. L'iniquité qui a poussé même aux autres de s'agenouiller. De faire l'idolâtrie aux dieux étrangers. Ta femme peut te faire entrer l'iniquité. Nous avons vu ça même avec Samson. Samson a livré son secret à cause de l'iniquité. Bah t'es belle, bah bon ça, bah secret à vie. À un moment donné, il faisait des forts en voyageant tout pamboulama. Tout ce qu'il faisait lui réussit. Mais à un moment donné, il a bloqué. Beaucoup de gens ont laissé l'iniquité et tiqué là-bas. Bah chambre ni yokota, moi c'est ni yokota. Au tika pouvoir et vie, ça a arrêté l'iniquité. C'est dans ce sens-là, Samson, bah l'ongo la esuki, ça a arrêté toute une vie, ça a arrêté toute une destinée. Très bien. Alors que faire, papa? Bah tomber dans ma soumou le péché d'abord. Et c'est quoi la procédure pour que nous allons limiter ça? Le procédure, c'est de reconnaître. Papa, il y a un peu de temps pour que nous avons un ceste. Même famille. Même famille. Nous avons un geste. Mais dans ton cas, dans ton conscience, il existe des actes.
existe des choses dans cette tête-là. Ça s'appelle celle l'iniquité générationnelle. Ah, oh, China père à Batoumou Mbongo. Ça va descendre de tes générations en génération. Il y a des vergers, il y a des vergers, des vergers. Ça va descendre. Il y a Kita, il y a maman, il y a Sali. Au Fouta. Au Fouta. Au Koufi, mais bah, au Fouta, on va Zali. Zali. Et ben Nyongo. Et ça, ben Nyongo. On remarque que le prophète Mouazo Koufa Tiki Nyongo. Et ça, c'est lui. Fatiki Nyongo, Batuba Yebakanga Mwana na Yena Nyongo Bakene na Ye. Bible koza na mbo on te doza mwana no tokine lokola gage. C'était l'iniquité du père et descendit à la maman et les enfants. Mwana na zaki non, c'est ça ba via bateza innocent. On banait bien, on a la relation bien, mais à un moment donné, l'iniquité de père arrêtez le processus de ton marche. Ça bloquait une chance dans ta vie à tel point que tu ne peux pas vivre. Nous osons ta Nyongo. Ma bali beleza abonyon le 27 aux 100 na kati église na moni maman moko ayé mais azo kabola fête ne bakabola la fête uniforme uniforme les abo soma uniforme ba kabola uniforme na famille même ta kabola o kabola zo kabola bazo uniforme bazo ngselier bazo tourner na butu abi ozo kabola uniforme nini parce que yo so bala ozo kabola uniforme li bala pourquoi parce que so bala. Déjà bala na boutou. Ah, bala na boutou. L'iniquité peut te faire déclarer même la nuit. Au bala na boutou. La samel pour la maman, papa moi avant, papa on a à l'autre na boutou. Abimana moi c'était mais abimana mobile. Abimana mobile na boutou. Après ça faut que yo kaiko profondeur, rien j'ai connu que l'iniquité depuis qu'il était un enfant, il était homosexuel. Sans qu'il moi iba. Azalaka yango a bali a tira ko confesser te na ba noto na a lota ka homosexualité et tout dans sa vie a été bloqué. C'est un homme qui était très talentueux, un homme qui avait vraiment la grâce, mais à tous les points ça a bloqué toute sa vie parce que ces choses arrêtaient sa destinée. Ce sont des réalités. L'iniquité c'est quoi? Et ça le ko la mbuma moko ya noir et tambona na yo na génération en génération. Tout ce que tu peux faire c'est un capot. Ils ont quoi arrêter? Bah situation à bon Isabelle. Très bien. Alors il y a des familles, il y a des gens qui nous suivent attentivement à travers le monde, l'homme de Dieu. C'est quoi maintenant le dernier message? Bah tout bah s'est retrouvé dans ma kawana. Et c'est la délivrance, et c'est un baptême, et c'est un jeûne et prière. Un peuple sans révélation est un peuple sans frère. À tout problème. Et un cas, ça nécessite une révélation. Il faut écouter Dieu. Il faut être auprès d'un homme de Dieu qui a la révélation et loin pour vivre la vraie délivrance. Non, le plus grand problème, c'est là où vous êtes, cette conscience peut être libérée. Parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira et la vérité vous rendra réellement libre. La vraie vérité rend quelqu'un libre. Ça, c'est bien. Voilà. En tout cas, merci beaucoup à tous et à toutes. C'était une première partie. L'homme de Dieu a parlé sur la différence entre les péchés et l'iniquité. A expliqué que péché, ou commettre un gololo, ou signer pardon. Mais l'iniquité est générationnelle. Il y a des procédures, il y a des prières qu'il faut faire. Il faut côtoyer un vrai serviteur de Dieu pour que vous allez libérer dans l'esprit ou en. Ce n'est pas une chose facile, c'est un combat spirituel. Il y a le combat spirituel et aussi le combat de la foi. Dans tous ces domaines, ce sont des choses à expliquer. Le jour du Seigneur, nous allons expliquer ça. Non, allez-y. Combat de la foi, combat de la foi, Denis. Il y a le combat de la foi et aussi le combat de la foi. Ils en ont une, Denis. Le jour du Seigneur, nous allons expliquer ça. Ça, c'est bien. Alors, aux appels pasteurs, l'homme de Dieu, Marambrisé Bela Osulola. Merci. Évolution, quand même, il y a Mboka. Bah, église, Mokomi et Bélé. Mais les gens continuent à dire que vous avez joué un rôle dans nos convenablement. Là, je dis un grand merci à tous les soldats qui sont en train de travailler au bas du Congo. Des pasteurs, des évangélistes, des apôtres et les encourage. Dans ces pays, nous avons vu la logique au Katasu qui sont couffés les mamans. Le réveil a enlevé cela. C'est une coutume, papa. Veuve, ma katanga est toujours covote. Il les a soutenus. Balongo lango. Réveil, c'est Moussa. Et c'est que ce que tu as monté, il y a une force à ma boîte, une porte. Oui. Réveil à l'ongo là. Oh. Et bon, les amis, il y a juste pour que Moussa le réveille à Sénakatamboka.
Papa, tous les nani, tous les montres où tu sois, il faut soit ma beaucoup. Ma y en place pour boire ou éviter. Ce sont des choses qui a beaucoup visité. Nambo ton nom, nous ka koui, ba kangam, nous ka koui. Ba pour moi, les sources, parce que les rêves font un travail. Bando qui n'a pas été. Oui. Ce qui est vengé, c'est dans Mboka, on a honte, il y aurait un grand réveil, il y aurait un grand rébellion. Oh, donc selon yo, l'église de réveil peut booster quand même et changer ma cambou. Mais l'église de réveil a amené la bonne nouvelle, a donné aux gens l'espoir. Mais trop de prophéties. Ma délivrance, ma binopé, ma maquionne, koti, pour bouleverser. Là où il y a le faux, il y a le vrai. Ne vous en faites pas, malam est cause de la karaté. C'est faux. L'enzam, azolona, malam, il y a ma bébé, il faut y aller. Dieu a élevé Moïse et Satan s'est cité Ramsès. Souvenez-vous du parabole du livret. Azolona, on a boutou, on a moui, on a malam, ivré. Mais on a boutou, on a le bleu, on a moui, le bleu, on a boutou, on a levé, ivré. Nous avons deux saisons, la pluie et le jour. Gauche, droite. C'est comme ça que Dieu. Donc les mauvais qu'aux Alaka. Même au temps de Christ, il est mauvais. Souvenez-vous que moi, si mon raison, il Paul a dit réellement, tu es un apôtre, tu es un prophète. Paul a tellement dit tu as l'esprit tu as l'esprit de Python. C'est-à-dire, il doit avoir le faux. Même Christ et moi, c'est tu es un Bézéboul. Donc Jésus-Christ a trouvé le pouvoir de Bézéboul de travailler avant qu'il puisse régner. Donc, ma belle cause à la malade, on le reconnaîtra par leur fruit. Ça, c'est très bien. Donc, je retiens que l'église des rêves est un mouvement, un changement. Et puis, quand on lit, on vient te bêler. Mais, d'où t'en as-tu trop? Nous sommes le fruit d'un grand réveil. Haïdi Nabala nous a sauvés. Je suis un témoignage. Je viens de quelque part. Haïdi Nabala, Zanzambita. Haïdi Nabala, Père, l'un des pères. J'ai dit le Dieu d'Haïdi Nabala. Les dieux de Simon Kimbangu sont des gens qui ont impacté le réveil et le vrai christianisme au Congo. Et changer ma vie à Batebele sans ignorant. Batebele, ma toute ma famille antinaté, il soit passé par mon valeur. Très bien. Et c'est évangile, obus, tu as expliqué tout le bac de la poussière, il élève. Il fait asseoir parmi les grands. Nous avons besoin de Pamba Tomboula, c'est le réveil et c'est la parole que nous amenons. Moi, je suis un témoignage. Sozo ka le poteau, je viens de quelque part. Sozo ka manière, oh, je viens de quelque part. Je ne pouvais pas me tenir devant vous pour vous parler. Oh, Christ a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Mmh. Alors, ça, c'est bien. Tu as équipé moi trop l'autre fois, la saison dernière, que Babi et Kotimo Ming dans l'église. Trop de scandales. Rappelez-vous, souvenez-vous des. D'une certaine Zawadi, où il a séduire frère Maïka Lambaye, et comme ma vaseline et conso, au moins ne sexta pas en Mboukao. Mais la même sœur Zawadi, a salé sous featuring à Michel Bakinda. Comment voyez-vous ça étant qu'un homme de Dieu? Je ne suis pas vraiment informé sur ça. Je mais non, la chanson existe, c'est dans les réseaux sociaux. Zawadi a dit séductrice à Maïka Lambaye. Tout le monde a mis Takala, Toyoka. Jusqu'aujourd'hui, le frère Michael Lambert a toujours la bande de touche. La cadre et discipline, à Fanda, à Bongola Motema, à Zoté en prière. Mais la même femme Zawadi a convaincu Michel Bakende de passer sous une Nzembo. Des pareilles chansons de quoi qu'on a l'église, est-ce que pensez-vous que Bazaba Serro et Bazo méritaient peu attention à Bissot? C'est ce que j'ai dit pour Mike Kalambay, j'en ai suivi il y a deux mois passés. Oui. Pour aller madame Mike Kalambay, c'est ce que j'ai dit, je ne suis pas encore informé. Pour aller madame Bakenda. Bakenda, ce qui a yembi na Bakenda, ça reste à vérifier pourquoi Bayembi et pourquoi Bakenda a zoyé ba tenté au foyer madame Moutou. C'est un peu ça ne concerne que lui. Hein. Bakenda, à la ligne de temps. Hein? Non, avant que madame Moutou, quand même, il faut voir pourquoi Nazoye Manaye, c'est à Bakenda de comprendre. Moutou, quoi ici, ma pasteur, bien Yembinaye. Tu trouves ça, Isali? C'est ce que je suis en train de dire. Bakenda doit connaître le temps, le moment et qui chanter. Donc ça ne concerne que lui et la carrière Nenda Zosala. Nenda Zosala. Alors, s'il y a des gens qu'il faut exhorter en ces moments, puis ça va nous dire que nous avons un souci. Nous sommes la génération qui encourage. La génération qui encourage, qui motive. Qui motive. L'esprit congolais, c'est de faire abattre tous ceux qui ont mis la tête debout. De décourager aussi. De décourager. Ça, c'est vrai. Mais ce n'est pas de nos comportements de redresser quelqu'un. Un héros qui est tombé. Mais tout le monde peut être d'accord. Ah, tu vois, on avait raison.
On doit battre cet esprit-là. Et tout le monde deviendra fort. Bah, vous savez, mission à Yéba Mamaz. À Karamine, le Ramoutou, pas Yébana. Nous encourageons tous les héros qui sont tombés d'être forts. Bah, Kretse, bah, Otalabiso. Bah, lien famille, blocage, Bitumba. Bah, tout va perdre espoir face à la caméra. S'il faut exhorter Bango, ça la prière. Pour la Bango Kolobanim. Celui que vous voyez ici, c'est un témoignage vivant, il s'appelle l'apôtre Ndanou. Il est le représentant de la communauté de l'église Mieva. Nous avons des églises dans le monde. Et celui qui vous parle, il est pasteur il y a 25 ans. Nous avons des faits de gens aujourd'hui dans ce pays. Nous sommes le père de plusieurs. Nous avons qu'un seul secret. C'est seul secret que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé, il donne la vie. Il bénit et il guérit, il sauve. C'est possible. Si hier ça n'a pas tenu, aujourd'hui ça peut tenir. Amen. Je te donne l'espoir que tant que Christ est ressuscité des morts, le seul qui a laissé les tombeaux vides au monde, il peut te donner la vie parce qu'il a vaincu la vie et la mort. Il est plus puissant et plus puissant. Voilà pourquoi je voudrais prier avec toi, toi qui es seul, abandonné, tu as été touché par ces messages. Je vous demanderai d'appeler. Nous sommes disposés pour Yambaka. C'est comment accuser Papa Yambaka. On appelle, on écrit. Je décroche. Ce message est pour vous. Ce que mon épisode de la caméra, c'est parce que Dieu nous a dit allez. Avec cet état de prière, c'est pour délivrer quelqu'un. Ce message a un puissant message dans vos vies. Je voudrais prier avec vous, toi qui es malade, touche. Toi qui es dépassé, touche la tête. Et toi qui as des situations dans ton foyer. Tu sens que l'iniquité a commencé à agir. Tu peux toucher ta tête. Dieu de grâce. Dieu de puissance. Nous avons attesté ces ministères. Et nous avons attesté cet apostolat par des signes et des prodiges. Nous prions, toi qui me regardes de loin, en Afrique, en Asie, en Europe, et partout où tu te trouves, que la main invisible de Dieu est visible par sa manifestation te touche. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Voilà, merci beaucoup, apôtre Ndanou, d'être passé. À tous et à toutes, je vous signale que le numéro de mon invité est affiché au bas de vos écrans. Pour plus de messages, contacts, appels, questions, prières, l'homme est disponible. Rappelez-moi mon numéro, papa. C'est 0+243 99 48 597. Encore une fois. +99 48 597. Voilà, merci à tous nos abonnés, mais aussi à tous nos partenaires. Vous êtes plus de 51 000 personnes à nous suivre régulièrement. Déjà. Soyez bénis, on est ici à Kinshasa, la capitale de l'RDC. Je dis merci au boss Chicha Chimbu depuis la Turquie, Bandewa Brésil, Angola, Héritier Moussoki, Yalu Zombala de Madrid, Maître Siza Souka, ma puissance ami Kili. Sema Mayasi, femme légitime, agency Mayasi, Forza Italia. Je n'oublierai jamais le vieux Gérard Saddam de Manchester. Maître Siza Souka, ma puissance ami Kili, sans oublier le vieux Bobo Batombo et Maman Lami Bekantoy. Bon, talabiso et belé belé. Restons ensemble pour de vrai. L'homme de Dieu. Le Seigneur vous bénisse. Si Jésus ne revient pas, nous allons nous voir encore une fois de plus. Le célèbre Dien Zundu de Washington. Merci et à bientôt. Merci, papa. Merci. Que Dieu bénisse. Amen, papa.